Laisse-moi ajouter un affaire. Est-ce qu'il n'est pas avec un tumeur, mais il démontre l'humilité qui s'attire là et là. Mais par contre, l'arrogance et l'ignorance, il démontre quelle qualité du monde pour aider. Malheureusement, aujourd'hui, un élu du peuple, il peut démontrer un autre niveau de l'arrogance et l'ignorance. Que c'est ce figure qui peut être primé aujourd'hui. Sa façon de se composer adamant, sa montrer dans qui l'époque pouvait vivre. Zinzou Chabelmas commençait où il prend le premier ministre page pour dire appelle ça tel propos et pas fini pour appeler ça dixième proverbe, mais qui fait voir des lectures parce qu'il s'en joue pas. Inacceptable qui ouvre une main qui s'abat du côté là. Laisse-moi dire au premier ministre qui est invité comme un hindou à son bassin et non pas comme un politicien. Ou on lui fait politique ou on fait lire dans le parlement. Ce qui est plus grave encore, ou à ce chef de Shivling qui représente le dieu Shiva. Pendant le mandat, il aussi l'étudia un propos pareil qui est aussi blessant et tout court nous pas capable d'y aller, d'y aller. Demain, on est capable de venir avec un œil sourire et vous dire que c'est un propos d'envie. La députée, le minimum, l'exemple, présente ce esquisse à la communauté indienne. Mais il faut plaindre comme ça, députée-là à la société. Un député divisé à milieu la paix sociale et non pas incite la haine raciale d'un pays. Aujourd'hui fait une semaine et peine aucune excuse de sa part pour une communauté haine. Mais laisse-moi dire, haut et fort, nous disons ce démission, Johanna Béranger, tu visais des Michelin. Et vous aurez dit, elle est bizarre des Michelin. Et laisse-moi dire toi, si tu parles une demande de esquisse ou de démissionner, ben nous maradez pour faire toi démissionner. Mort vos paroles. Merci et me passe ta parole à Nouvelle Paris. Chers amis de la presse, bonjour. Zosine Tripinla, qui fait, c'est parce qu'il peut sentir qu'il dans sa pays-là, il y a certains timons, peuvent faire certaines choses pour se déstabiliser ce pays. Je peux faire tout moyen pour qu'il y ait un problème de sa pays-là. Nous tous connaissons qui nous fait passer par une grande crise sanitaire. Il y a encore là, il y a encore là. Après ça, finalement, notre côté, la guerre, notre côté, nous pouvons subir par les répercussions de cette guerre-là. Le normal catastrophe naturelle qui n'a pas connu. Pays, si vous avez un pays, soufflé, l'économie, vous avez démarré. Mais qui aujourd'hui nous peut trouver? Nous pouvons trouver qu'il y a des gens qui peuvent amener un propos raciste dans ce pays-là, c'est pour créer une tension pour qu'il y ait des ordres. Pour dire que ça va être des gens là, faire attention. Parce que la majorité des peuples d'Aborigines aujourd'hui, les silencieux, et les dégâts un peu de tabassage sur le terrain. Vous connaissez, nous pouvons faire qu'il y a un minute de silence pour un frère. Et nous devons compter de donner une grande place dans le paradis. Le travail qu'il fait dans l'unité syndicale de Maurice. Mais nous devons travailler dans cette même façon-là. Nous avons le premier ministre qui peut faire tout, malgré tous les problèmes qu'il peut faire face. Mais nous encore petit bout. Nous encore peut avoir vivre bien dans ce pays-là. Et en partie ça, nous sommes capables de continuer.
Quand vous m'avez trouvé à travers les Maurice et le développement. Et la deuxième place, dans un grand, grand pays, comme en Amérique, Zorodi, sa qualité. Dit les enfants de partir dans le terrain. Mais Zorodi, pour nous, tout est dans la vie en place. Mais nous sommes fiers qu'il peut être premier ministre et son gouvernement, qui peut faire tout ce qu'il est capable pour pouvoir vivre en aide à son population. Mais à ce moment-là, on gagne l'opposition qui vient pour déstabiliser. Pour déstabiliser ce gouvernement-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. La majorité silencieuse pas tout d'accord avec sa qualité. Cinéma qui se fait faire là. Et là même, je peux dire qu'il y a l'ultimatum. Qui est l'ultimatum pour te faire de l'étoile? Qui t'a aidé pour te donner l'ultimatum? C'est le peuple qui vient mettre ce gouvernement-là en place. Ou est encore des bananes et dit pour aller. Gagne patience, papa. Gagne patience. Quand échéance finie, le peuple pour guetter, s'il fait bien, il pourrait mettre en haut. S'il est mal fait, il pourrait s'y aller. Là, tu vois, si vous êtes au centre, vous comprenez. Mais au moins, vous êtes dans sa patience-là. Pas capable du tout, depuis que ce gouvernement-là, il est dit, qui nous tendait. Oui, mais puis tu veux dire qu'il n'y a aucune élection. Finalement, la cour, qui nous fait trouver là? Un par un, tout peut gagner. Mais je veux dire que toute qualité fausseté. Et moi, je dis à lui, oh, et faux, qui est la divine fille élite avec un mensonge et fausseté. Et moi, je vous dis aussi. Vous connaissez qui nous dit dans la communauté musulmane, parce que vous comprenez dans la communauté là. Le diable partout à travers le Tidia pour empêcher la coupe parmi les gens. Et c'est une des raisons que le Tidia a dit. Qui le Tidia pour être ensemble, il a fait un rêve. Je suis élu l'OL base de mensonge. C'est eux qui m'ont élu l'OL base de mensonge. Je vous dis, quand le gouvernement a fait ce travail, je vais tirer la population dans la difficulté. Combien de qualités c'est pour que nous prenons une section gouvernement passé. Depuis les mois, combien de facilités les vignes de l'aide dans une période difficile, une tiers population, jusqu'à ce qu'il y ait une instance internationale qui nous reconnaît le travail que nous prenons une section gouvernement passé. Mais aujourd'hui, on peut faire une qualité cinéma et nous guider. Le peuple peut guider la qualité cinéma de faire dans l'Assemblée. Je viens là-bas avec un agenda, route fiscale avec fiscale, nous mettons des hauts, les là, nous avons fait un temps, nous conférence de presse, et que j'ai dominé en jeu. Mais avec des gens qui peuvent suivre ça, je vais trouver. Je dis que quand on vient l'Assemblée, il a besoin de travailler. La plupart du temps, quand on vient dans travers l'opposition, il vit. Mais ça même qui ne fait le pays où, ou elle fait travail dans l'Assemblée, ou elle veut abonner ensemble dans l'Assemblée. C'est un rôle qui nous besoin, et je pourrais faire tout pour déstabiliser ce pays-là. Je ne veux pas couler ça. Ça ne fait pas tout d'accord. Laisse aller, mais si vous êtes satisfait, pas si vous êtes satisfait dans le pays-là, mais faire tout ce qui est capable pour supporter la population. Alors, attendez, vous le lundi, j'en ai dit encore, n'a pas vu avec ce qui a été posté. Oui, si on en fait, si on en fait, même devant, et dans la cour, et dans le système démocratique dans ce pays-là, si la cour condamne, il y a d'autres affaires. Mais pas venir tout coup avec mal posté. Il va faire l'honneur pour ça. Alors, nous disons maintenant, nous devons être mis en garde, qui s'assinera posté avec fausse déclaration visant à arrêter. Elle va pour tout. Les gouvernements fonctionnent, les pays allent de l'avant et nous dire que dans des ans et demi, le pays doit avancer et si les faire bien sûr, ils pourraient tourner. Si eux, le peuple trouvait qu'ils ont de la raison, c'est le peuple qui décide. Nous, dans le pays démocratique, les démocraties. Alors, si je veux dire, mon associement est concerné pour qu'au moins, je dois la déranger et dans la décence,
s'il est accepté qu'il parle vers les verts, qu'il présente ce style. Mais non, non, non. Sinon, s'il n'est pas présent ce style, bien sûr, parce qu'on a le choix, qu'il nous demande qu'il démissionne pour qu'il parle de la présence. Voilà ce que je veux dire. Merci. La communauté hindoue entièrement de faire sa célébration là jusqu'à mi-juillet, nous pouvons terminer mi-août. Et le premier ministre tient une fonction à Grand Bassin. Moi, tout le monde connaît Grand Bassin, c'est une place sacrée pour la communauté hindoue. En tant que premier ministre, je vous demande, mon camarade qui est là, est-ce qu'il va y avoir la prière? Est-ce qu'il y a une famille qui a un droit, qui a un droit à faire la prière dans un gâteau? Et quand le premier ministre a fait la prière dans un gâteau avec son famille, bien sûr, il est invité par une house, une association culturelle, depuis le début du carême, le soir de masse, de la prière du soir de masse. Et le lendemain, nous devons commander qui est inacceptable de la part de l'honorable Joanna Mémoré. Et moi, en tant que président du Galop de la Coupe en Saba, nous condamnons ça à 100% avec l'honorable Joanna Mémoré. Il est inacceptable, comme vous le disiez là, et nous aussi, avec toute la société culturelle, hindou, nous pouvons demander à Joanna Béranzé de nous présenter une excuse le plus tôt possible. Qui fait? Parce que la famille entière, la population entière, nous en colère à travers ce propos négatif. Et moi, je veux dire, Joanna Béranzé, il a des affaires de la vie qui lui faisaient distinguer. Elle, qui s'appelle la politique, deuxième, la religion. Si vous mélangez la politique et la religion ensemble, vous ne pouvez pas trouver dans sa place dans le monde. Si vous trouvez qu'il est une erreur, vous ne pouvez pas dire, parfois il y a une grosse affaire pour lui donner une excuse. Vous ne pouvez pas taper un message sur Facebook pour lui dire qu'il y a une Facebook qui est une affaire privée pour lui. En tant qu'il y a un politicien, vous ne pouvez pas trouver une dame qui est une affaire privée pour lui. Peut-être capable pour moi, il y a une private, mais pour lui, en tant qu'une madame qui siège dans les parlements du pays, il ne faut pas que ça soit une affaire qui peut dire une private ou une famille. Et comment madame me dire, tout de suite, il dit ça. Si c'est une private, parce que c'est une délite. Laisse message là pour passer, laisse dire vous commenter, laisse dire vous sur votre conclusion. Quand il délite ça, message là, c'est pour ça pour montrer. Faire une guerre. La même prouvé qu'il fait une guerre, et moi, vous demandez, vite présente cette excuse, la population bien appréciée, et la communauté hindoue bien appréciée. Avec ce quelques mots, je termine maintenant et je passe la parole avec l'intervenant. Frère Saint-Namaste, je
Je vous dis encore une fois, nous avons besoin de condamner le propos de Johanna Bérangé. Nous sommes solidaires avec toute l'organisation socio-culturelle et Fausse Vive qui prend une position de s'assister là. Le propos de Johanna Bérangé est bien grave, bien insultant et lui-même dégoûtant. Pendant l'autre interprétation, qui sa propos-là vient insulte à la communauté hindoue. Et ils tous directement nos religions et dans ce qui nous croient. Après cet insulte-là, ils peuvent commettre un autre insulte. Cette fois-là, ils peuvent dire, nous ne comprenons pas créole. Johanna Bérangé, ils disent, ils partent sur l'intention et ils ne pas finir insulter la communauté hindoue. Je pose Johanna Bérangé des questions seulement. Dix des questions. Première question, de qui sont l'intention qui était quand il écrit ça à propos là? Deuxième question, Maudit Manli, dis-nous qui sont venus, ça va être propos qu'il a fait écrire et dans le contexte qu'il a fait écrire ça. Nous vivons dans une société multiculturelle, nous condamnons pour vivre ensemble et personne n'a pas le droit de ce sentiment d'une communauté ou l'autre communauté. Johanna Bérangé n'a pas continué comme un politicien. Il a besoin de démissionner. Et je demande, pas un dirigeant même, comme Paul Bérangé, Rajesh Bhagwan, Ajay Ganesh, Outim, présente esquisse à la communauté indienne. Je vous remercie de tout pour votre attention. Respectez-nous. C'est tout ce que vous avez à dire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser.